expliquer quelque chose. Regarde-moi bien. Il arrive un truc à quelque chose de ma famille. À quelqu'un de ma famille. Vas-y, vas-y, pousse-toi déjà. M'approche pas, je vais te niquer. Je tiens également aussi à remercier les derniers membres qui ont rejoint la chaîne. Merci du fond du cœur. Vos noms s'affichent ici comme promis. Et sachez que si vous souscrivez à un abonnement, si vous rejoignez la chaîne et que vous nous soutenez, vos noms seront dans la prochaine vidéo, comme je viens de le faire aujourd'hui. Salut Internet, c'est Kamoff. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Il faut que j'aille au coiffeur également. Pour cette vidéo, je suis en compagnie de tous mes frérots. Il y a Farid Zitoun que vous connaissez, qui fait des acrobaties, qui a une chaîne YouTube. Elle s'affiche en bas et en description. On a notre ami aussi, Seb, qui est sur TikTok et qui fait des TikTok live, tout ça. Donc, vous pouvez aller voir son TikTok, il s'affiche en bas. Et on a aussi Matrice, qui est un TikToker. TikToker qui fait des pranks aussi sur sa chaîne TikTok. Donc, n'hésitez pas à aller voir. Tout est dans la description. Aujourd'hui, on va se retrouver pour une vidéo qui est assez spéciale. Je vais vous expliquer un peu ce qui se passe. Il y a des personnes qu'on connaît qui nous ont signalé un livreur Uber Eats qui s'amusait à mettre du GHB. C'est une substance qui, quand vous l'ingurgitez, vous met dans des états seconds, vous endort et vous vous rappelez plus de rien à l'arrivée. Donc apparemment, ce livreur s'amuse à mettre ça dans la nourriture des gens pour après aller les voler. Cette substance est très très dangereuse parce qu'il y a pas mal d'effets secondaires. Du coma, ouais, j'avais vu. C'est vrai. C'est vraiment très très dangereux. Il y a des gens qui le supportent mal et qui font des overdoses. Exactement. Du coup. Et voilà, donc de toute façon, on fera un topo à la fin de cette vidéo. Là, on va passer une fausse commande. On va se faire livrer par la personne et par le profil en question. Jusqu'à ce qu'on tombe dessus, on fera la commande. Et une fois qu'il nous livre, on mangera pas la nourriture, on fera semblant de la manger et on verra comment ça se passe une heure ou deux heures après que le livreur soit passé. J'espère que cette vidéo vous plaira et bon visionnage à tous. Ciao. Bon les gars, là on est dans la voiture avec Farid et les frérots. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller sur Uber Eats et on va commander McDo. C'est le plus proche. Comme ça on n'attend pas 100 ans. Et le truc, c'est qu'on va commander et à chaque fois, par exemple, si on commande et qu'on voit que le livreur, parce qu'il y a la photo et tout, on voit que c'est pas lui, que c'est pas son nom et tout, on annule la commande et on en refait une autre jusqu'à ce qu'on tombe sur lui. McDo. On commande McDo et on voit ce que ça donne. Et on reprend la caméra, on recommence à filmer dès qu'on est tombé sur son profil. À tout à l'heure, les gars. 2000 years later. Les gars. Ouais. J'ai son profil, c'est bon. C'est lui, tu ouais. T'en montres ? Là. Ouais, c'est bon, c'est bon. C'est lui, ouais, c'est son nom, c'est son prénom. Ouais, c'est ça. Voilà. Donc, c'est lui qui va nous livrer. Vas-y, nickel. Et il est là dans 25 minutes à peu près, s'il se trompe pas. Ouais. Les gars, on est tombé sur son profil au mec. Après, je sais pas combien de tentatives, on vous mettra ça à l'écran, j'ai même pas compté tellement qu'il y avait de tentatives. On est enfin tombé sur ce mec, c'est ce livreur-là qui va nous livrer. Donc on reprend la caméra dans 25 minutes dès qu'il arrive. De toute façon, il y a Fantin qui filme derrière à la caméra. Et on va laisser tourner et on va voir tout simplement ce qu'il va nous livrer et comment ça se passe. One eternity later. Bah, il est là, les gars, il est là, entre chez Nerf. C'est lui, c'est sûr, c'est lui. C'est lui, ouais, c'est lui. C'est lui ou pas? Ouais, c'est lui, c'est sûr. C'est 100% sûr et certain. Je ne t'inquiète pas. Entre chez Nerf en plus, c'est lui. Ouais. Frérot, ça va? Ça va et toi? Ouais, impeccable. C'est pour toi la commande pour Anthony? C'est ça. Ouais, c'est bon. T'as acheté. Merci. Il y a tout dedans ? Il y a tout dedans. Allez, super. C'est bon. Merci beaucoup. Merci, bonne journée. Ciao, bonne journée. Ciao. Là, les gars, on a la commande McDo. Ouais. On va pas la toucher. On va pas la manger. On va rien boire, rien manger. C'est l'odeur et tout, frérot. Mais ouais, les gars, mais vous avez oublié que le mec, il fait peut-être des trucs bizarres, tu vois. Donc, on va poser le sac. On va pas le toucher. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va attendre une heure, même pas une demi-heure. Ouais. Et vous faites semblant de dormir dans la voiture, on fait tout semblant de dormir. Et si le mec il revient, là c'est que ça commence à être chelou. Tu vois ce que je veux te dire? Donc là les gars, on va faire semblant de dormir tous, comme si on était tous drogués. Comme ça, on voit si le mec il revient. S'il revient pas, ça veut dire qu'il comptait pas faire de trucs bizarres et c'est du bidon. Et s'il revient, c'est que le mec a une idée derrière la tête, ce qui est logique. Et ça veut dire que c'est l'histoire qu'on nous a racontée est vraie et qui met des choses dans les sandwichs. Allez, on va forcément dormir les gars. Bonne nuit à tous.
bien revenu. Tu vois. Si le mec il revient, c'est pas pour rien, frérot. Je le vois dans le rétro. Il est en train de fouiller le coffre. C'est sérieux? Il fouille le coffre. Là, il referme. Attention, il arrive. Allez-y les gars. Allez-y, allez-y. Oh, oh. Qu'est-ce que tu fais? Fais de quoi là? T'es là. Téléphone sur toi? Pas de violence. Frappe le frappe. Viens avec moi, viens. Oh, 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 téléphone sur toi. Pas de violence. Frappe. Viens avec moi, viens. Oh, 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 oh. Arrête maintenant. C'est quoi cette caméra là? Non, oh, 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 la tête à mer. Oh, oh, t'as vu que je fais tomber mon téléphone en plus, hein? Oh, stop, 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 stop. Oh mec, oh, voilà. Oh mec, stop, 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 tu vas pas comprendre. Lâche-moi, lâche-moi, arrête, calme-toi. Parce qu'on va appeler les flics. On prend tous un par un maintenant. Arrête, 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 allez, stop. Vas-y, calme. Vas-y, tu calmes, tu as ton caméraman là, qui va sa caméra là-bas. Je te calme déjà, tu as pas dans. Donné, tu me ramènes. Téléphone s'il te plaît déjà. Arrête parce qu'on va appeler les flics. Un conseil, arrête, vraiment, en plus on est 5, ne fais pas le mariole. Maintenant tu vas m'expliquer, viens. C'est ce qu'on va faire. Non, regarde. Maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va te donner la commande que tu m'as donnée. Eh ben. Eh ben tu vas la manger. Tiens, mange, je t'ai fait cadeau. Tiens, tu vas pas la manger? Non. Pourquoi? Parce que je suis pas faim. T'es pas faim? Regarde, tiens, mange là. Mange là. Non, je suis pas faim. Pourquoi tu reviens 20 minutes après, tu fouilles la voiture et tu nous fouilles à nous? Explique-moi, vas-y. Vas-y, explique-moi. Je veux savoir. Un des quoi? Comment tu savais qu'on allait dormir? Lâche-le. Vas-y. Vas-y, tu veux partir, vas-y. On a toutes les images, vas-y, pars. On a ta tête, on a tout. Pars. Tu vas perdre ton travail, tu vas aller en prison, mec, je te le dis. Ah bah ça va, allez, c'est bon, j'ai compris, désolé les gars, c'est bon. Pas désolé, y'a pas de désolé. Ah bah, désolé, allez là, attends, il a dit désolé. Désolé, c'est bon. Tu peux y aller. Excusez les gars. Il s'est excusé, vas-y, vas-y. Vas-y. Ciao. Il s'est excusé, frérot. Il a dit pardon, ça va, c'est bon, mais pardon, rentre à la maison. Allez. Et tu crois que c'est bon, et tu crois que... Et tu crois? Vraiment? Lâche-le. Moi je te laisse partir, mais tu crois vraiment qu'on va pas mettre la vidéo sur internet? Moi ce que je veux savoir, c'est pourquoi tu fais ça et ce que tu mets dans la nourriture. Je mets rien, moi, je mets rien. Non, je garde mon sac. Dis pas que tu mets rien dans la nourriture, frère. Bah y'a rien. Y'a rien dans le sac? Bah non, y'a rien. Je vais t'expliquer l'histoire. Y'a des gens qui nous contactent. Ouais. Qui nous ont dit que ça faisait plusieurs fois que dans leur nourriture, ils trouvaient des choses pas nettes, qui faisaient des malaises juste après. Et qu'il y en a un qui a fini à l'hôpital et qu'après avoir fini à l'hôpital quand il a fait la prise de sang, ils ont vu qu'il y avait du GHB dans le sang. C'est ce que c'est? GHB? Non, c'est pas. C'est pas ce que c'est? Non. C'est une drogue dure. C'est une drogue, on appelle ça la drogue du violeur. D'accord. Pourquoi? Parce qu'en fait la drogue, elle t'en sucre et après tu te rappelles plus de rien de ce qui s'est passé. Donc je vais t'expliquer un truc. Quand c'est toi qui nous a livré, on a fait semblant de dormir. Parce qu'on n'a rien mangé, hein, sinon on serait pas en train de te parler.
20 minutes plus tard, tu te repointes avec la même trottinette, le même sac, et tu nous fouilles la voiture et tu nous sors de la voiture pour nous fouiller à nous. Alors qu'est-ce que tu mets dans les sandwichs? Rien du tout, je sais pas de quoi tu me parles. On peut fouiller ton sac. Vas-y, fouille mon sac, je suis dire encore. Faut fouiller le lui. Pour un con, parce que ça va partir. Moi, je fouille le sac. Vas-y, fouille, tiens. Tu vas se fouiller, s'il te plaît. Parce que sinon, je te jure. Non, écoute-moi, avec ce que tu fais, c'est tellement grave que je vais pas tarder à te mettre une balayette laser, frérot. Maintenant, tu me laisses fouiller, d'accord? Je vais rien te voler, je vais pas te faire de mal. Tu me laisses fouiller. Ça, c'est ton téléphone, c'est à toi? Ou tu l'as volé à quelqu'un, ça? Non, c'est mieux. C'est quoi le code? C'est quoi le téléphone? C'est le téléphone, c'est quoi le code? Attends, mais il y a le truc. Il y a le truc de FaceTime, vas-y. Non, mais regarde, fais le FaceTime. Ouais, verrouillé. Déverrouille pas le téléphone. Tu l'as volé à qui? Déverrouille pas le téléphone, les gars. Je prends pour un con en plus. Tiens. Je serai certain avant de venir ici. Écarte les bras. Écarte les bras. On se demande si tu fais que voler. Tu me laisses ça de suite. Tu me laisses ça de suite. Lâche. Lâche. C'est mes gouttes. Mes gouttes de quoi? C'est quoi ce truc? Pour les yeux. Ah, des gouttes pour les yeux ou quoi? Mes gouttes pour les yeux. Vas-y, mets-en. La tête de ma mère, c'est pas des gouttes des yeux, ça. La vie de ma mère, c'est pas des gouttes pour les yeux. Ça, c'est des gouttes pour les yeux. J'en ai, frère. Tiens, mets-toi ça dans l'œil. Vas-y. Viens, je t'en mets dans les yeux. Dans la bouche. Quand tu veux pas. Viens, je t'en mets dans les yeux. À mon avis, c'est une fiole qui a déjà été réutilisée et il a mis son produit dedans. Et il met ça dans les sandwichs avec quelques gouttes et tu sens rien du tout. Je te rencontre le truc que tu fais. Je te rencontre. Pour commencer, t'as quel âge? 25 ans. Pourquoi tu fais ça? 25 ans, il fait ça. Faire de l'argent. Faire de l'argent. C'est quoi ça? GHB. Ouais. D'accord. Tu fais de l'argent sur l'amour de quelqu'un, c'est ça. Donc là, tu viens d'avouer en vidéo que tu fais ça pour de l'argent. Tu veux quoi? Je vais dans ton caméraman. Ah oui, de caméra là. Bon, tu veux quoi? Je fais de l'argent. Non, moi de l'argent, je m'en fous. Moi, je veux que. Moi, je serais toi, Antoine, j'appelle les filles direct. Parce que là, c'est direct, très grave. Il peut faire des morts avec. C'est un petit. Alors, c'est. Non, mais il a dû en faire déjà des morts. Ça fait combien de temps que tu fais ça? Allez, active, parle. Allez, vas-y. Ça va faire 2 ans que je fais Uber Eats. Ouais. Et ça va faire 2-3 mois à peu près que je fais ça. 2-3 mois que tu fais ça? Ouais. Et il n'y a pas eu de plainte, il n'y a pas eu de problème. Non. Quand tu mets du GHB, tu te souviens de rien. Déjà, il se souvient de rien. Tu te souviens même pas que tu as commandé Uber Eats, frère. Sérieux? Mais bien sûr, tu te souviens de rien. Rien d'avoir ça sur la. Donc ça veut dire que lui, quand tu fais ça, il est tranquille parce que les gens ils se rappellent même plus, ils se doutent même pas que c'est. Quand on vous livre une commande comme ça, Uber Eats, sans agrafe, sans rien, que le truc il est ouvert comme ça, ne mangez pas. Donc les amis, à chaque fois que vous faites livrer, regardez à chaque fois que ça soit bien fermé. Maintenant, en ce qui nous concerne, soit. On trouve un petit arrangement, toi et moi, pas d'argent, on verra ce qu'on fait, je sais pas, et encore je suis gentil, soit on appelle les flics. Bah, on va faire ton arrangement. On fait mon arrangement? Bah, je pense que c'est le mieux. C'est le mieux? Ouais. C'est quoi ton arrangement? Tu vas voir. Comme vous pouvez le voir, il n'y a plus la personne avec nous, tout simplement parce qu'il a décidé d'avoir une petite sentence. Vous savez que dans les vidéos de Kamoff, il y a toujours une sentence drôle à la fin, donc je vous laisse voir ce que ça donne en direct. Alors? Ça va, mec? Non, mec. Ça te fait rire. Regarde. Alors, je lui ai mis un chapeau de capote, tout simplement parce que pour moi, c'est un. Il est issu. Bah, déjà, il ressemble à un gland, mais en plus de ça, pour moi, hein, pour faire ce qu'il fait, il faut être le résidu d'un fond de capote. Donc, du coup, voilà, pour moi, c'est le résidu d'un fond de capote. Ouais. Sauf qu'en fait, mec, ce que tu sais pas, c'est que non seulement on va te laisser comme ça, parce qu'on l'a attaché, hein. Faut savoir qu'on a attaché le chariot, les gars, donc regardez. Il peut aller nulle part et il peut pas passer les mains pour enlever le nœud parce qu'il y a le. Donc, comme il est bien piégé, on va le laisser comme ça, mais non seulement on va te laisser comme ça, mais comme ce qu'il fait est très grave, je vais devoir appeler la police. Pour qu'il vienne le chercher. Ah, si. Tu m'as dit soit on fait ton truc ou soit tu appelles au cinéma. Mon frère, mais ce que tu fais, c'est grave aussi. Ouais, eh ben, tu sais quoi? Tu sais quoi? J'ai menti. La frérot, c'est grave là ce que t'as. C'est pas question de traître. Donc on appelle la police. On attend que ça réponde. Et quand ça répondra, on expliquera. Ben, j'appelle les flics. On est obligé. Oui, bonjour monsieur. Je vous appelle parce que j'ai un petit souci. J'ai rencontré un livreur Uber Eats qui s'amuse à mettre de la drogue dans les commandes qu'il livre. Du GHB plus précisément. Et là, on l'a attrapé. On l'a attaché dans un caddie, vous verrez. On vous donne l'endroit. Ben, on l'a attaché parce que sinon il allait s'enfuir. Donc on l'a attaché. Et comme on n'est pas de la police, on vous laisse. Je vais vous donner l'adresse, d'accord? Et vous venez le chercher. L'adresse, alors c'est au parking de la.
Parking de casino. Ok, ok, oui, je vois, c'est voilà. Dans le 13ème. C'est dans le 13ème, exactement, et c'est sur le deuxième parking. Ok, j'ai envoyé une patrouille dessus. Voilà. Et nous, on vous laissera, dites à votre patrouille, qu'on vous laissera une fiole de GHB, la fiole qu'il a utilisée. Mais vas-y, on vit sans rien, moi j'ai envoyé une patrouille. Voilà, allez, ça va. Oui. Allez, merci beaucoup. Merci. Allez, merci. Bon, les flics arrivent. Hop. Tiens, si tu as soif, n'hésite pas. C'est quoi? La fiole. On a mis ici, j'aime bien quand il m'insiste comme ça. Donc nous, on va aller au commissariat, on va montrer les images et on va le laisser là, tout simplement. Je dirais un peu petit singe en cage. Tu sais quoi? Tu sais quoi pour être sûr que personne ne le détache? Reste ici et nous, on y va, on va montrer les images. Ok? Allez, let's go.